Donc, comme j'ai dit, j'étais devenu membre honoraire, à mes yeux, tout simplement, de cette vénérable et honorable société des chasseurs charmeurs de serpents, qui était quand même rien des noirs et blancs en Afrique, tout est gris. Ça veut dire que les Bayéyés étaient des guérisseurs, entre guillemets, pérégrinantes, et ils envoyaient des serpents attaquer les villages. Et puis, ils débarquaient dans les villages en disant « On a entendu que vous avez un problème avec les serpents. On a les remèdes. » Donc, ils étaient connus pour manipuler les serpents dans leur intérêt, mais aussi, quand même, à la fin, ils faisaient du bien parce qu'ils pouvaient guérir. Ils se faisaient ensevelir par terre et ils laissaient venir au milieu, un peu comme les magiciens, ils laissaient venir un serpent qui les mordait et puis ils sortaient du trou et ils mettaient des dawas, des remèdes dans leurs poignets et ils ressuscitaient, entre guillemets. Donc, ils étaient très connus, mais très, très craints, comme toujours. Nous, on est dans un monde manichéen. Il y a le bon Dieu et il y a le diable. En Afrique, il n'y a pas de bon Dieu. Dieu, il envoie la mort et la maladie. Il est ambigu, il est équivoque, il est insaisissable. Et le diable, parfois, il est extrêmement gentil. Les esprits que les missionnaires ont traduits comme Satan n'étaient pas du tout absolument mauvais. Ils étaient parfois très gentils. Ils pouvaient faire revenir la pluie, ils pouvaient donner la fertilité. Donc, l'Afrique est beaucoup plus réaliste. Les choses ne sont jamais noires et blancs. Il y a du bon et du mauvais partout. Même Hitler, il aimait les chiens, paraît-il. Donc, les Africains auraient bien compris que même les dictateurs les plus sinistres, il y a quelque chose qui les sauve. Et bon, revenons à cette histoire de mon appartenance honoraire à cette. Moi, j'avais oublié après, ça faisait partie de mes notes de terrain. Mais à partir de ce moment-là, tout ce que je faisais ne faisait qu'enfoncer le clou. Déjà, j'étais réputé d'être sorcier, comme tous les vieux. Une fois, avec les gamins, j'ai dit, bon, il y a combien de sorciers à Mapili? Mais il y en avait en pagaille. Et j'ai dit, mais ils sont tous vieux. Ah oui, les vieux, ils sont Wachawi, ils sont. Et moi? Oui, toi aussi, t'aimes. Ah, je dis non, mais t'en fais pas, il y a des sorciers de midi et de minuit. Et toi, tu es de midi, donc c'est bon. Mais il n'y a pas cette idée, de nouveau, d'un sorcier intrinsèquement inféodé grâce à un pacte avec le diable. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est puissant. Qui a un savoir-faire, qui est spécial. Et les vieux, par définition, par le fait qu'ils ont survécu, ils sont vachement blindés. Donc, c'est des sorciers. Et donc, j'étais fiché comme sorcier, et puis maintenant, sorcier extra, 5 étoiles, mouillé. Et tout ce que je faisais, ne faisait qu'enfoncer. Le fait, par exemple, que je dormais avec les fenêtres de la case ouvertes. Pour les gens, et quand j'ai commencé à dormir comme ça, ils m'ont dit après, ou on dit le blanc, il va être bouffé par un sorcier, ou il est plus sorcier que les sorciers. Comme je me suis réveillé comme le matin, ils ont dit, bon, c'est un sorcier. Dans la petite case où j'habitais, il y avait 2 chambres. Et c'est très impoli chez les Wakonongo de laisser quelqu'un seul, parce que le sorcier est seul. Et donc, les gens venaient, ils s'asseyaient devant la case, ils disaient rien, mais ils ne pouvaient pas me laisser seul. C'est impoli et dangereux. Et les enfants, surtout, m'emmêlaient. Ils venaient dans la case, ils chipotaient à tout. Je n'avais pas beaucoup de choses, mais ils chipotaient à mes carnets, à mes boîtes de lait condensées, ça m'énervait. Alors, surtout, je voulais de temps en temps lire et écrire.
Et donc, j'ai dit, écoutez, voici des œufs de serpent. Et j'avais pris dans la mission où j'ai appris la langue des vermifuges. Ça devait être à usage vétérinaire parce qu'ils étaient énormes. C'était des œufs gélatineux et blanchâtres. Et j'en avais une demi-douzaine. Ça ressemblait à des œufs de serpent. J'ai dit, écoutez, voilà, je les ensevelis en dessous du seuil de ma case. Le premier gamin qui ose traverser le seuil sans être invité, il va être bouffé par un serpent. Alors, pendant deux ou trois jours, ils ont cru, ils m'ont foutu la paix. Et puis, le gamin que le chef m'avait confié comme cuisinier, comme factotum, a osé mettre son pied au-dessus du seuil. Moi, j'étais caché dans un coin avec ma ceinture noire. Que j'ai gesticulé comme ça. Wow, ils sont partis, ils ont tous couru en boucle en disant Gnocca, Gnocca, un serpent, le père, il a un serpent. Bon, moi, je dis, bon, c'est rigolo. Prochain épisode, c'est qu'on vient m'annoncer que les gens du village socialiste, rival, parce que j'avais créé, j'ai encore les papiers, j'avais créé un village socialiste autour de la culture du riz. J'avais fait venir, grâce à des subsides d'un truc canadien, Justice et Paix ou quelque chose, un motoculteur chinois qui n'a pas duré, ça a pété les plombs après deux semaines. Parce que les gens disaient, bon, nous, qu'est-ce qu'on les balourd, nous, les Africains? Oui, je dis, mais t'en fais pas, les Chinois, ils sont tout petits, ils sont très nombreux. Nous, on n'est pas assez nombreux, et puis on est trop pesant. Le tracteur, il n'a pas tenu le coup, c'est pas votre faute. Et ça, c'est un autre problème. Moi, j'avais fait ça, et on avait créé notre village socialiste. Mais il y avait un village socialiste aussi, créé par le gouvernement pour cultiver le tabac. C'était l'époque de la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie. On ne pouvait plus, en principe, acheter du tabac de la Rhodésie. Donc, la Tanzanie a profité de l'occasion pour faire ces villages qui cultivaient le tabac. Mais ils sont venus me dire, on a un gros problème. On est envahi par des serpents. Bon, moi, bon et con comme je suis, j'allais dire la mèche chez eux, donc j'avais pas de problème du tout avec ces villageois, c'était tous, entre guillemets, mes paroissiens, mes ouailles. Et donc je leur ai dit, écoutez, je vous prête ma pierre noire. Là, peut-être, il faut que j'explique ce qu'est la pierre noire. C'est un... Mais j'en ai un exemple, quelque part. C'est un morceau d'os calciné, mais qui est fabriqué par un frère blanc, ou à l'époque était fabriqué par un frère père blanc flamand à Antwerp, dans la maison des pères blancs, parce qu'il aurait reçu le secret de la veuve d'un colonel des Indes. Donc c'est un truc ultra mystique et mystérieux. Et en fait, c'est le maître à penser d'un copain italien qui est spécialisé dans l'ethnomédecine, un certain Scarpa, a écrit un article dans Social Science and Medicine pour montrer que ça marche. C'est une espèce d'éponge, c'est un os calciné, tu taillades, tu plaques dessus et ça sue. Et les deux ou trois fois que je m'en suis servi sous des amis Konongo, ils ont été soulagés. La seule fois que je m'en suis servi, moi, j'ai failli devoir amputer la main, peut-être parce que le rasoir avec lequel je me suis coupé était contaminé. Je me suis enfoncé dans un épineux avec la moto, ça a gonflé, je me suis tailladé, mais ça a suppuré. Donc, je ne suis pas tout à fait convaincu. Nonobstant, je suis allé chez les voisins, chez le chef, en disant, écoute, voilà, je vous prête pour un mois, cette pierre noire,
pour que vous, si jamais quelqu'un est mordu, qu'il puisse trouver remède. J'en faisais venir des stocks, c'était c'est vendu assez cher. Les Arabes me les achetaient, les coupaient en deux et donc doublaient leur profit. Moi, je gardais quand même le truc intact, donc c'était plus puissant. J'ai su après que, parce que j'étais dénoncé au gouverneur, que le père est venu dans notre village contrôler si ces serpents faisaient leur boulot. Parce qu'effectivement, le gamin du chef de ce village socialiste a été mordu 4 fois en un mois à la même croisée des chemins. Je suis allé voir, j'ai gratté le sable pour voir s'il n'y avait pas une racine sur laquelle il marchait chaque fois qu'il passait, mais il n'y avait rien. Mais les gens croyaient que j'étais venu contrôler mes serpents pour voir si vraiment j'avais bien téléguidé dans la bonne direction. Et donc, les gens qui étaient dans mon village, qui étaient pour mon projet, ont applaudi en disant « Enfin, un blanc qui comprend les nègres, c'est merveilleux ça, on n'a jamais connu un missionnaire comme ça, qui sait téléguider les serpents, qui sait démolir ses ennemis, mais ça c'est bon là, on se fait catholique à tout jamais parce que ça, c'est la vraie religion si tu veux. » Sous ces entrefaits, il y a aussi une histoire de fusil de chasse aussi. Bon, jamais, les choses ne sont jamais tout à fait claires en Afrique, mais j'avais un fusil de chasse, mais qui était tordu. Mais par acquis de conscience, j'étais allé chercher un permis de chasse à 200 km au centre administratif local, et le chef de police a dit « Désolé, père, il n'y a pas de formule. » Il n'y a pas de formule. Bon, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais ? » ?»« Oh, gardez-le, on vous fait confiance. » Mais un mois après, à 6h le matin, pof, on tambourine sur la porte en tôle ondulée de ma case. Je me réveille, toujours à moitié endormi, j'ouvre la porte, j'ai une petite ceinture avec un essuie. Qu'est-ce que je vois devant la porte ? 6 soldats avec des kalachnikovs pointés dans ma direction et 2 ou 3 hauts fonctionnaires, dont le chef de police qui m'avait dit « Gardez le fusil ». Alors, le chef administratif dit « Vous avez un fusil sans permis et toutes sortes de reproches, si tu veux ». Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est votre mission, entre guillemets? Et j'ai entendu qu'ils avaient envoyé un espion pour savoir, mais comment ça se fait qu'un blanc vit comme un Africain? Qu'est-ce qu'il veut? Si tu veux? Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, il y avait les bourgs, entre guillemets, il y avait Smith et la Rhodésie, il y avait l'apartheid, il y avait la hantise en Tanzanie d'une invasion des Blancs de l'Afrique du Sud. Et donc, il fallait faire très attention. J'ai un copain qui a été mis en prison pendant une journée parce qu'il a pris la photo d'un baobab. Il a dit, mais c'est un baobab. Et le chef de police a dit, oui, mais qui est-ce que vous dites qu'il n'y a pas des fusées SAM cachées là-dedans? Et il y avait vraiment la hantise de l'invasion des Wakaburu, les bourgs qui allaient scroter le pays. Donc, il faut se mettre dans cette ambiance-là. Il y avait des tensions en l'air. Mais la police avait fait des enquêtes pour savoir, est-ce qu'il lave ses propres slips, le père? Parce que les missionnaires ne lavaient jamais rien. Il avait toujours été tellement bon marché d'avoir quelqu'un de faire la cuisine et de laver ton brol. Et alors, ils ont fait toutes sortes d'enquêtes de bonne vie et de mœurs. Mais ça ne rimait à rien. Un blanc qui vit, qui travaille, qui va à la chasse, qui passe des mois en brousse avec les apiculteurs, ça s'est jamais vu, quoi. C'est pas possible, c'est louche, il y a quelque chose. Et ça, c'est vrai, si tu veux,
si tu ne restes pas dans ta catégorie, si tu essayes d'être à mi-chemin, de faire l'interprète, l'intermède, le facilitateur, tu es comme un lépreux. Il faut rester dans son lieu. Si tu es entre les deux, les gens ne savent pas sous quel pied tu danses. Et donc, qu'est-ce qu'il fout ? Il dit qu'il est missionnaire et voilà, il est en train de cultiver des cacahuètes. Il dit qu'il est gentil et voilà qu'il envoie des serpents. Et ça ne va pas. Et donc, il y avait toutes sortes. Alors, ils m'ont dit, voilà, habillez-vous, on vous amène manu militari jusqu'au gouverneur de Tabora. Et donc, ils m'ont mis sur un train spécial, une espèce de Michelin, entouré par deux gardes. Et on m'a amené tout de suite à Tabora, voir le gouverneur qui était un peu derrière tout ça. Il revenait à peine d'un PhD à Harvard, donc c'était quelqu'un d'extrêmement éduqué, évolué, élitiste. Ce qui m'a vexé, il a dit, mais mon père, vous êtes civilisé, pourquoi est-ce que vous voulez vivre comme un bougnoul, mshenzi, en swahili, c'est sauvage. Vous êtes un blanc, vous êtes civilisé, nom d'un chien, pourquoi est-ce que vous voulez vivre comme un sauvage? Et moi, j'ai dit, mais il faut savoir ce que vous voulez. Nyerere a dit, les missionnaires doivent quitter leur monastère et vivre avec les gens, je le fais, et vous ne comprenez rien, si vous voulez. Bon, ça s'est terminé en queue de poisson. Je suis... Parce qu'entre-temps, j'ouvre une autre parenthèse assez longue. C'est le volet islam. D'ailleurs, après avoir fait mes premières armes chez les Wakonongo, je vais quand même finalement m'établir dans les missions le long du chemin de, le chemin de fer en Tanzanie, le chemin de fer central, suivait la route des caravanes qui allait de Dar es Salaam jusqu'à Kigoma, sous le lac, donc 2000 kilomètres. Les Allemands ont fait un chemin de fer à la veille de la Première Guerre mondiale. Ils arrivent finalement à Kigoma, sous le lac. Et ça marchait toujours, il y avait un va-et-vient. Et c'est sous ce chemin de fer que s'installent les Swahilis, les musulmans noirs, si vous voulez, c'est des commerçants. Et donc, moi, je m'installe dans deux ou trois petites communautés le long du chemin de fer. Et pour couper court, une histoire longue et compliquée, dans le dernier endroit où je me suis installé, qui s'appelle Nguruka, c'était entre Tabora et Kigoma, c'était là où les trains croisaient à minuit. Ils partaient de Kigoma, l'autre de Tabora, et à minuit, en principe, ils se croisaient là, parce que c'était à voie unique. Là, si vous voulez, dans les premiers jours, un vieux arabe sympa qui était venu à pied de Dar es Salaam, tout jeune, qui était plus africain qu'africain, est venu me demander si j'avais pas justement des pieds noirs à vendre. Oui, voilà. C'était un filou comme on n'en fait pas. On est devenus mes copains. Et j'ai passé toute ma vie dans son petit magasin avec sa jolie femme et leurs petits-enfants. Moi, je suis toujours tombé chez des gens qui m'ont accueilli et comme un membre de la famille. Je n'ai jamais vécu tout seul comme ça. Alors, j'étais chez lui, mais je dormais chez moi, près d'une petite église, mais j'ai passé la journée. Parce que c'était la plaque tournante de la communauté. Et là, tous les gens venaient acheter des bazars, mais aussi, comme il était aussi un magicien, il était guérisseur, il était devin, il était sorcier, il était tout. Et aussi, chef de la mosquée. Et donc, c'était vraiment la plaque tournante de la communauté, qui était quand même... c'était assez grand, il y avait au moins 5000 habitants. On était vraiment... C'était merveilleux. Et...
en Tanzanie, les musulmans lisaient l'arabe, mais ne comprenaient pas ce qu'ils disaient souvent. Ils apprenaient le Coran par cœur. Moi, je lisais le Coran en comprenant vaguement ce que je disais. Donc, lors des fêtes des musulmans, le Maulidi, l'anniversaire de Mahomet, on m'a invité à lire un peu de Coran et faire un petit sermon, si tu veux, louant. Moi, je croyais que j'étais là, écuménique, iranique, faisant le pont entre les musulmans et les catholiques. J'allais même chez les adventistes, j'étais très content de moi. Pas mettre de l'huile sous le feu, essayer de mettre tous les gens, toutes les religions dans le même sac, etc., etc. Malheureusement, ça n'a pas plu à mon catéchiste. C'est un tout petit groupe de catholiques qui se sentaient entourés par l'ennemi musulman et protestant, et donc me voyant passer plus de temps avec les ennemis qu'avec les troupes, ils étaient très fâchés. Et ils ont écrit une lettre derrière mon dos à mon évêque pour dire « Ce père n'est pas un père, c'est un crypto-musulman. Il est peut-être même circoncis, ce qui n'est pas le cas entre nous. » Et donc tout ça cumulé. Et entre-temps aussi, là je ne l'ai pas dit non plus, je reçois tout d'un coup une lettre venant de Rome, de l'Institut pontifical des études arabes, du recteur magnifique, en disant « Contrat rompu. Vous ne pouvez plus jamais mettre les pieds à Rome parce que vos idées sont tout sauf pontificales. » Alors, le supérieur général était toujours l'ami Van Asten. Il a dit au recteur magnifique en question « Donne-lui au moins l'occasion de s'expliquer. » On ne peut pas rompre unilatéralement le contrat, laisse-lui expliquer. Mais j'ai su après que c'était, entre autres, à cause de ce jeune confrère qui a défroqué à cause de moi et qui était attaché au même institut. C'était aussi un arabisant. Et donc, j'explique gentiment, dans une longue lettre, que un peu les histoires... qu'il faut penser à un christianisme sans religion, qu'on peut faire de la théologie sans Dieu, que Jésus, c'était pas le Christ, c'était un brave prophète. Et ça n'a fait que, évidemment, empirer la situation. J'ai reçu une lettre par retour de courrier en disant non, ça, mais vraiment, là, c'est le bouquet. On a commencé une neuvaine pour sauver ta foi, mais ne mets jamais plus les pieds à Rome. Et donc, voilà. C'est comme ça que je suis retourné chez les Wakonongo, en disant, bon, fini avec les problèmes des musulmans, je suis... Mais, malheureusement, le fait, si tu veux, que j'étais vaguement au courant, au parfum du monde musulman, m'a un peu desservi, parce que les musulmans disent, mais il fait semblant de nous aimer, mais il nous haït, parce qu'il ne travaille que pour les siens, le tracteur qu'il a amené, on n'a jamais vu un musulman dans... Mais il n'y avait pas, j'ai dit, il n'y a pas de musulman à Mapili, il y avait un vieux musulman, mais il était plus catholique que le pape. Et donc, comment c'était beau que je travaille avec les musulmans, s'il n'y a pas de musulman. J'ai jamais su exactement qui était derrière... Il y avait peut-être 36 choses, parce que l'archevêque m'a dit, écoute, quand même, il serait peut-être mieux que vous vous retirez pour un période. Mes supérieurs ont dit, bon, il faut quand même que ça se calme, quand même, retirez-vous pour un moment. Le gouverneur local a dit, on ne veut plus de ce père en Tanzanie. Les musulmans ont dit, c'est un type qui convertit les gens, un peu comme les missionnaires qui donnaient du riz et des couvertures à des affamés et à des apoils. Et donc, je dis, je ne peux pas gagner. Heureusement, si tu veux, j'avais ce bon sens sociologique qui m'a fait dire ce que je viens de te dire, c'est que dès que tu sors du lot, dès que tu essayes d'être d'entre les deux, ce n'est pas une sinecure. On parle maintenant d'hybridisation, de métissage comme étant le futur de l'humanité. Essaye une fois de ne pas être homme ou femme, vieux ou jeune. Essaye d'être entre les deux. Ça ne marche pas toujours. Et moi, je me suis donné une raison, si vous voulez,
dans ce sens-là. C'est, bon, les choses sont comme ça, j'ai exagéré en toute bonne foi. Et donc, ça c'est assez cocasse aussi. J'ai dit au chef, le brave Jacobo, bon, je m'en vais pour le moment vers le centre d'Inyonga en vélo et je ne suis jamais revenu. À mon avis, ils ont cru que j'étais disparu dans un nuage de poussière. Parce que c'était très dangereux. Les gens étaient tellement fâchés contre le gouvernement et contre les musulmans et contre le village rival que j'aurais eu une émeute paysan sur mes mains, un peu comme le fameux Munzer et les anabaptistes. Les miens étaient tellement, entre guillemets, pour moi et contre ceux qui ne comprenaient pas ce que je cherchais à faire. Et ils réalisent, si tu veux, comme ils étaient, ils auraient pu saccager le baraque, comme ils l'ont fait après mon départ, pas à cause de moi, mais après, dans les années 76, 77, ils ont été obligés et forcés de se regrouper, mais ils ont réagi mal, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, des Wakanongo. Ils étaient effectivement un peu isolés, un peu utopistes, un peu idéalistes. Ils ne se rendaient pas compte que le progrès, entre guillemets, c'est comme ça. Mais j'aurais eu, effectivement. Donc, je me suis, par prudence, par pudeur, Dieu sait quoi, j'ai dit, bon, il est temps que je fous le camp où il va y avoir du grabuge, il va y avoir des morts. Et donc, voilà comment se termine mon terrain tanzanien.